Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi Alors, je voulais vous présenter mon top deck pour monter légende que ça soit au mois de juin. Donc voilà, j'ai classé les listes selon mon pourcentage de win rate personnel. Attention, donc voilà, euh, j'expliquerai pourquoi telle ou telle liste est devant une autre ou pas, donc il y a pas de souci. Donc voilà, on va partir directement sur les listes en question. Donc voici la liste numéro 4 que je vous recommande. Pour la place numéro 4, ça a été très compliqué à départager. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à 1% de win rate. Euh, tout simplement. Donc voilà, par rapport au démoniste murloc. Vraiment. Donc le Mr. Freeze, il passe devant. Si vous voulez, le Shaman Freeze euh, contrôle un petit peu. Ouais, avec du cri de guerre, c'est très fort. Hein. Franchement, cette liste-là est vraiment monstrueuse. Je vous la recommande à 200%. Pourquoi Parce que déjà, ça peut contrôler tout un board. Ça peut geler tout un board. Et tu peux placer vraiment de gros coups de dégâts avec ce côté gardien ton neige. Donc voilà. Euh, ou un côté arabe brillant, ou peu importe, vraiment quand as répété les cris de guerre, t'as le Bolnerbeck de Corbin, c'est très important. Renash Chara qui, vraiment, qui a vraiment un peu un level monstrueux dans cette liste. Euh, de la pioche aussi avec les lanceuses versatiles, la petite maîtresse des mélanges, voilà. On a aussi le Sirfinley qui permet d'échanger quand as placé l'ambassadeur Féline. Tu peux répéter aussi le cri de guerre et récupérer des serviteurs colossaux en boucle. Donc là c'est toujours intéressant si tu veux. T'as quand même une puissance globale dans cette liste qui est monstrueuse. Tu peux bouffer aussi les cartes de l'adversaire avec Mutanus. T as aussi le Brucan. Franchement, cette version-là est très sous-cotée à mon sens. Très sous-cotée. Et elle permet de monter les jambes. Pourquoi Parce que ça peut counter le chasseur bête. Ça peut counter le voleur-voleur. Parce que ça fait un bord d'XSL, tout simplement, ces, ces versions-là. Donc, ça te permet, en fait, d'utiliser le côté garde d'un tombe-neige, de jouer tout le temps, mettons Et c'est très fort de répéter aussi le cri de guerre. Et tu trouveras létal par la suite, tout simplement. C'est très facile. Donc, voilà. T'as aussi... Euh, ça peut contre aussi, quoi, du coup, le, le paladin aussi, en l'occurrence. Le mecha paladin. Donc, voilà. Si t'arrives à bien t'en sortir, à avoir des très bonnes sorties en fait avec une liste comme ça, à base de gel avec le côté gaz à neige, à Bran, euh, Bolner, voilà, avec des très bonnes découvertes aussi sur l'institutrice, pourquoi pas, et la double vue qui te sert à piocher vraiment une carte et de la réduire à 3 cristaux, donc c'est beaucoup quand même, hein, sachant que t'as beaucoup de cartes qui coûtent, qui coûtent assez cher quand même, donc voilà. Euh, beaucoup de pioches aussi dans la liste à noter, euh, t'as vraiment des belles choses en fait sur cette liste là, et je trouve que ça a de l'intérêt de jouer une liste comme ça, oui totalement. N'hésitez pas surtout à la prendre en main, à la tester, je vous la recommande à 200%. Au mulligan de préférence, qu'est-ce qu'il te faut Geyser bouillant, maîtresse des mélanges, vent glacial, fracasseur de Cressil, marteau d'enchère, donc voilà des cartes comme ça. Double vue aussi, la vipère pourquoi pas, donc voilà la vipère peut être échangée. Bon après, la vipère, si admettons en face, tu sais que à peu près, je dis bien à peu près, ça peut être un paladin, donc voilà la vipère peut avoir son intérêt. L'institutrice c'est pas mal aussi, Mulligan, Grand Default Pat aussi, l'ambassadeur féline aussi. Si tu peux répéter son cri de guerre, que t'as un arabe brillant, c'est déjà arrivé, c'est ultra puissant. Si t'as, admettons, c'est m'arrivé d'avoir des sorties à base de Sir Finlay, brillant et ambassadeur féline je gardais cette main là, c'était beaucoup trop fort. Donc voilà, euh, la liste est facile à comprendre, c'est à part sur un deck contrôle et au bout d'un moment tu trouveras le létal en fait avec ce, avec ce côté gel, si tu places bien tes cartes comme il faut. Si tu bloques en fait le bord adverse parce que le mec t'a mis un full board, c'est très important. Donc voilà. En numéro 3, j'ai longuement hésité, mais je te recommande très sincèrement le chasseur bête. Le chasseur bête, ça peut tout faire. C'est très fort. Ça a une prise de board massive. C'est très puissant. Avec toutes ces bêtes, j'ai pas mis euh, Ishman. Pourquoi je n'ai pas mis Ishman Parce que je trouve c'est beaucoup trop cher, même si c'est ultra costaud. Euh, des fois, ça a. Pas vraiment d'intérêt en fait. Je préfère jouer uniquement avec des bêtes, voilà, avec une curve assez haute. Et euh, pro blessée a du sens. On me l'a déjà demandé pourquoi la pro blessée tu l'as mis dans ta liste. Ça a toujours du sens, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, t'as souvent le roi des rats et des fois c'est dupliqué par ce côté manœuvre d'urgence. Et pour le ramener au plus vite, t'as la pro blessée qui vient à crever, donc c'est important. Euh, le petit serviteur est crué, en fait, le petit ping est très important surtout à jouer cette carte-là contre un paladin, un méca paladin en l'occurrence, pour le bouclier divin tout simplement. Donc voilà. Euh, C'est facile à comprendre, oui, totalement et pour le coup il y a beaucoup de secrets donc voilà qui te permettent aussi de dupliquer tes serviteurs comme j'ai dit de gêner l'adversaire dans ses plays le fusil à pont est très puissant donc voilà franchement c'est ultra fumé le d'art pour réduire toutes ces cartes là et voilà le baraque aussi est là pour récupérer un spell T3 T2 et un spell T1 pour toujours trouver de la synergie dans les résurrections de familiers ou peu importe des secrets ou toujours, toujours trouver la solution voilà avec des cartes comme ça donc c'est quand même important à noter euh, roi des rats très puissant tarantule aussi c'est parfait des et crué qui viennent à sortir tavish monstrueusement puissant ça m'est déjà dans les premiers tours d'avoir des enfin comme je te dis dans les premiers tours j'avais placé le vandar et directement j'avais le fusil à pont sur moi j'avais tapé j'avais récupéré plusieurs rois crush ça m'est déjà arrivé et des fois j'avais 3-4 rois crush parce que j'avais utilisé le Tavish j'avais utilisé d'urgence donc c'était n'importe quoi hein, franchement et ça me donnait le létal des fois donc pas besoin d'aller chercher non plus euh, assez loin pour trouver le létal donc c'est parfait. Généralement t'aimes bien aussi poser du board que ce soit en début de game, late game euh, début de game, comme je dis en fait, avec une liste comme ça, c'est T5. C'est-à-dire que t'aimes bien avoir un petit truc du genre quoi, roi des rats, collectionneuse, tu vois, un truc qui, qui peut t'abasser si vous voulez sur le board, qui peut se poser, tout en étant puissant. Donc voilà, c'est important. Cette liste là est vraiment euh, optimisée pour faire des, un massacre total parce que ça joue le board, ça joue très bien le board avec des serviteurs au coût réduit généralement parce que fusiarpon et vandar ça te les réduit donc c'est important. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut en l'occurrence au Milligan quand tu commences contre n'importe quel matchup Attention. Hein. Listage, Fortin d'une balle d'art, pont, Vandar. Voilà, ces cartes-là sont essentielles. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Vraiment, c'est les meilleures cartes. Admettons, tu peux garder un Tavish si vraiment tu sens que le mec, euh, euh, tu vas avoir du temps face à lui. C'est un démoniste, admettons, c'est m'est déjà arrivé. Je gardais le Tavish, ça m'est arrivé. Donc voilà. Ensuite, on passe un petit peu sur la liste surprise, hein. vraiment la grosse surprise. Euh, pourquoi le voleur-voleur euh, agonie Je le place en numéro 2. Et pourquoi pas un voleur-voleur tout basique avec des pirates ou des conneries comme ça Très sincèrement ce voleur là est très puissant, très puissant parce qu'il te permet de faire un OTK déjà d'entrée, tu, tu sais que c'est un énorme avantage avec ce côté mine. Les mines marines font beaucoup trop de dégâts avec cimetière des neiges, informations douteuses, tout ce que tu veux, les lieutenants prouvé aussi qui sera. Et le côté voleur voleur en fait de la maestra qui te permet d'avoir des gnolls au coût réduit. Et les gnolls te permettent de prendre des avantages très rapidement dans les premiers, les premiers tours donc voilà tu ne seras pas inquiété en fait dans les premiers tours, et tu pourras développer derrière ton jeu autour de, des mines, tout simplement. Et tu vas trouver ton létal comme ça, c'est très facile à, à jouer. Le win rate est beaucoup trop explosif, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas la placer euh, dans un top 4. Je trouve qu'elle a vraiment son charme, si vous voulez. N'hésitez pas surtout à la tester, si vous voulez vraiment voir ce que ça vaut, mais euh, pour ma part, c'est euh, une tuerie. Une tuerie, tout simplement. Mulligan, qu'est-ce qu'il vous faut de préférence Coûte-la en deux fois, ça serait le must, coûte-la en deux fois. Extorsion aussi parce que c'est échangeable, donc voilà. Euh, quoi d'autre Cimetière des neiges, admettons, et information douteuse. Si vous avez ça, admettons, le, le meilleur mulligan possible, ça serait double coutelas et cimetière plus information. Donc voilà. Sinon, voile de dissimulation est super aussi parce que ça te permet de récupérer des serviteurs et forcément tu vas peut-être récupérer un Gnoll Fall Pat, donc c'est intéressant. Donc voilà. Le tout étant de ne pas se découvrir trop vite avec une liste comme ça, si vous voulez. Euh, ne pas euh, dé faire découvrir le jeu à votre adversaire pour pas qu'il se dise ok, c'est un Valor mine, comment je vais le contrer Non, il faut, faut attendre T3 avant de jouer à peu près, à peu près, hein. pour avoir un gnoll au coup réduit, si vous voulez. Donc voilà, c'est ça le système, et de placer vraiment comme un OTK avec une liste comme ça. Et vous y arriverez, hein. vous avez aussi des dégâts à distance et de la découverte au cas où. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même une très bonne liste ou pas Oui totalement. Mon win rate est vraiment... C'est du grand n'importe quoi. Le win rate de cette liste-là, ça dépasse l'entendement si vous voulez. C'est pour ça que je vous le recommande à 200%. Donc voilà. Il y a beaucoup de listes en fait qui sont proposées par, par certains joueurs. C'est des listes de plus tempo si vous voulez. Tandis que notre liste est plus orientée euh, au TK. Donc voilà, c'est très particulier si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec un voleur-voleur classique. Donc voilà, je la préfère celle-là au voleur-voleur classique avec le côté pirate, tout simplement mais euh, le voleur voleur pirate est plutôt pas mal aussi mais avec celle-là j'ai un meilleur pourcentage de win rate donc comment expliquer que une liste comme ça voilà est au-dessus bah tout simplement parce que euh, t'as un OTK les decks OTK de façon euh, sont mis de côté tout comme le démoniste admettons mais ça c'est un OTK en fait où tu peux être sûr de placer un OTK très rapidement en fait donc c'est très fort donc, voilà pourquoi je vous recommande cette liste en numéro 2 tout simplement c'est facile à comprendre c'est une tuerie, tout simplement une tuerie, je vous la recommande à 200%. On arrive ensuite sur le numéro 1, et là vous vous doutez bien, le numéro 1 pour ma part, ça restera le Mecha Paladin. Pourquoi Pourquoi le Mecha Paladin, cette version-là en particulier Il y a comment dire, il y a 3 semaines de ça à peu près, hein, c'était le 6. Le 6 mai, je suis monté légende avec, mais avec une facilité impressionnante. Le win rate, mon win rate euh, plafonne, vraiment un win rate explosif. Même avec l'arrivée du chasseur bête, il n'y a pas de souci. On a le maître Lame Samuro déjà dans la liste, donc forcément, ça t'enlève un poids. Euh... Que dire sur cette liste-là, en fait Si vous voulez, on a vraiment beaucoup de puissance, en fait, dès le début, dès le début de la partie. T'as le coffret de jeu Prismatique, pinceau tronc, voilà, t'as des belles choses, en fait. Euh, toujours jouer ce côté automate, c'est important. Le capteur lunaire, dans les premiers tours, est très fort. Au milligan, en fait, vous pouvez partir dans un système pinceau tronc. Euh, ta, 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 sauveteuse des grands fonds et Captain Lunaire. C'était vraiment, je pense, pour moi la, la meilleure entrée en matière. Derrière, si t'as le côté, par contre, protectrice, coffret, tu peux garder. Pourquoi Parce que tu vas sortir toujours des serviteurs avec bouclier divin. Souvent des méchas avec bouclier divin, donc voilà, comme l'ennui au tronc qui va arriver. Donc, c'est important, tu vois, ou les capteurs lunaires. Donc, forcément, tu vas sortir du bouclier divin. Ça va te buff la main, vu que tu auras beaucoup de serviteurs, c'est important. Donc, voilà, vu que tu auras le coffret de joyeux prismatiques qui sera là. Donc, tu as plusieurs sorties possibles avec une liste comme ça. Et je trouve ça essentiel. De jouer une liste comme ça, tout simplement. Et pareil, tu un OTK avec Monsieur Châtiment ou avec Maître de Guerre des Batailles que tu peux placer entre quelques mechas, entre deux mechas, voilà, qui sont assez buffés. Donc ça a de l'intérêt pour ma part, oui, totalement. On joue aussi le INI -E dans cette liste qui est très fort, hein, le INI, -E à ne pas sous-estimer, très sincèrement, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs dire oui. Euh ah, c'est pas une carte très très folle. Euh, voilà, euh, ok, ça choisit un méca allié et ça en invoque une copie avec Ruée, Furie des vents et Bouclier divin. C'est pas fou. Euh, je peux t'affirmer que <laughs> quand c'est sur un automate ou un vaisseau mère, bah là, euh, surtout vaisseau mère aussi. Je, vaisseau mère étant puissant, mais même automate, quand c'est bien buffé, euh, je peux t'affirmer que c'est la game, tout simplement. Donc voilà. Euh, comment jouer avec une liste comme ça Voilà, au milligan, vous avez plusieurs sorties possibles. Hein, toujours un terrain si possible, pinceau tron ou protectrice. Bon, après. Le tout, euh, si t'as la pièce et que as automate, admettons en double, bah, tu peux garder aussi, hein, tu fais directement automate, tu peux enchaîner à base de ça. Après, c'est risqué, mais ça peut passer, c'est ça qui est fou. Capteur lunaire étant beaucoup trop fort au mulligan, euh, détecteur de radar étant essentiel, avec protectrice aussi étant essentiel, vraiment. Donc voilà. Euh, dans l'ensemble, tout est bon dans cette liste-là, il n'y a rien à acheter. Donc je vous la recommande à 200% en numéro 1, euh, très sincèrement, oui, parce que Moinrate étant vraiment explosif. Euh, pour moi, il n'y a pas mieux pour monter les jantes. Je le rappelle, ce sont des listes pour monter les jantes. Il n'y a pas mieux que ces listes-là parce qu'elles enchaînent rapidement et le win rate est beaucoup trop positif. Le pourcentage de win rate étant vraiment positif par rapport au nombre de games, en fait, si vous voulez. Si vous faites au moins 50-60 games, admettons, bon, je dis une connerie, euh, ça sera au-delà... Euh pour ma part, je pense que ce sera au-delà de 58%. Donc voilà, je pense vraiment en l'occurrence. Pourquoi je ne vous ai pas recommandé euh, le Murloc Démoniste, le Démoniste Control, le Prêtre Highlander Cat qui est super aussi que j'avais présenté, le Guerrier Control Parce que ce sont des listes plus pour euh, le rang légende, tout simplement. Donc voilà, plus pour le rang légende, moi je pencherai plus pour ça. Parce que déjà les contrôles, euh, comment dire, c'est très fort hein, de jouer contrôle, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que dans les rangs diamants, tu vas tomber sur des decks tellement agressifs que tu vas te faire défoncer. Même pour le murloc, à la limite, le murloc, le murloc démon, il peut s'en sortir si vous voulez. Il est plutôt pas mal. Donc, vraiment, je le placerai en outsider dans le côté rangs diamants. Parce qu'il peut faire des belles surprises. Hein. Il peut faire des belles surprises, mais attention quand même. Donc sinon, pourquoi je ne vous recommande pas un mage Meka ou un mage ping Parce que c'est beaucoup trop lent. Le mage ping, pareil pour le, naga, euh, le mage Meka euh, ou le mage naga, c'est beaucoup trop lent en fait, si vous voulez, par rapport à ces listes-là. Ces listes-là enchaînent vraiment très rapidement et elles te défoncent rapidement. Donc voilà. C'est ça un peu le système, ouais. ouais. T'as un côté en fait OTK, si tu veux sur des listes comme ça, ça paraît complètement con, mais tu fais, tu sors des gros serviteurs en fait. Admettons pour le méca tu vas sortir quoi, Monsieur Châtiment bien buffé par le côté carriel, ou Maître de Guerre des batailles entre deux mechas, ça peut trouver le létal. Admettons pour le voleur voleur agonie, pareil, t'as un système de comme ça en fait d'OTK avec les mines. Euh, déjà, ça t'aura bien grignoté l'adversaire, je pense, avec les gnolfolepads s'il reste en vie et la lame qui te sert vraiment à faire d'énormes dégâts aussi. Euh, plus ce cimetière de neige alors là c'est vraiment horrible admettons pareil pour le chasseur bête en fait t'as le côté OTK qui peut être trouvé avec le roi crush qui peut sortir en plusieurs fois pareil des fois t'as le roi des rats qui sort en plusieurs fois donc c'est vraiment du grand n'importe quoi euh, tu peux trouver vraiment la solution c'est un côté tempo des fois ces listes là si vous voulez mais t'as un OTK si tu veux à l'arrivée pareil pour celui là en fait tu peux sortir un gada de neige ou un rat brillant ou peu importe euh, un truc du genre boulder de corbin bien buffé, ça peut arriver. Donc voilà, c'est toujours euh, système euh, en gros le système où tu vas avoir un serviteur bien buffé ou sinon tu vas avoir un OTK euh, directement qui part en fait. Comme je l'ai expliqué. Monsieur Châtiment, maître de guerre des batailles entre les mechas, donc voilà. Euh, Monsieur Châtiment bien buffé en l'occurrence. Des mines, des mines qui partent vraiment en mode râle d'agonie. Le roi Crush qui défonce tout, donc voilà. Et Mister Freeze qui nous fait des cris de guerre, voilà, avec des gros gros serviteurs bien massifs inarrêtables. Donc voilà, c'est à peu près ça le système, si vous voulez. Donc c'est pour ça que les listes, en fait, euh, elles ont la même finalité, si vous voulez. Elles ont la même finalité. Soit tu vas sortir un gros gros serviteur bien sale. Euh, Ou soit tu vas essayer de faire euh, comment dire, des dégâts à distance avec un OTK et euh, le létal sera trouvé comme ça. C'est des listes généralement que j'apprécie jouer. Euh, les 4 là, je les joue vraiment très souvent. Très souvent. C'est les 4 que je joue le plus. Hein, vraiment. Euh, mis à part ça, le Warlock Control, j'aime bien, le Murloc aussi, le prêt Highlander qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. Le Guerrier Control, je ne recommande pas à tout le monde en rang diamant parce que, comme je l'ai dit, les contrôles en rang diamant, j'essaie d'éviter parce qu'il y a beaucoup trop de decks agressifs. Admettons, si tu vas jouer mes tu seras content de tomber sur un Chasseur Bête parce que tu auras le Maître de l'âme Samuro, admettons, tu vois. Et inversement, tu vois, tu as le Chasseur Bête, je l'ai euh, modifié pour que ça soit viable contre un, un Paladin parce que tu auras le Roi des Rats qui sera important. Ça permet de snowball tout le temps en fait si t'as plusieurs rois des rats, mettons donc c'est important. Pareil pour le voleur voleur en fait l'OTK est trouvé rapidement si vous voulez. L'OTK peut être trouvé beaucoup trop rapidement donc ça a de l'intérêt. Mister Freeze c'est pareil ça peut geler tout un board, euh, geler le mec paladin et le chasseur bête mais je pense que ça peut rien faire contre ce genre de deck parce que c'est un deck OTK donc c'est un peu plus chiant. Donc voilà euh, les quatre listes que je vous recommande ce sont celles là donc voilà je vous mettrai les liens en description. Euh, c'est selon votre euh, comment dire votre choix. Votre façon de jouer, votre manière de jouer, ça sera important pour bien choisir votre liste. C'est très important, mais je vous les recommande, les 4 là, pour monter les jambes parce qu'elles sont tellement agressives, tellement fortes. Si vous utilisez aussi une liste comme ça, en fait, c'est très simple, vous y arriverez très facilement. Euh, au plus simple, en fait, je pense que c'est le chasseur bête le plus simple, parmi ces listes-là. Mais les autres sont tout aussi simples. Attention, le paladin aussi, c'est des sorties euh, Voleur, voleur, agonie, c'est très fort aussi. Hein. Une fois que tu as ça va très très vite. L'enchaînement les... des dégâts, hein, de toute façon, c'est très puissant. Et le Mr. Freeze vraiment est au-dessus aussi hein, en termes de contrôle. Donc voilà. Pour contrôler les chasseurs bêtes et mes Donc voilà. Moi je pense que ce sont les 4 listes qui ont vraiment euh, un potentiel et un power level monstrueux dans les rangs diamants. Pour le mois de juin. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à les tester. À les prendre en main si vous voulez. Pour moi il n'y a pas de. Ouais. Ce sont les quatre meilleures listes. Très sincèrement. Beaucoup vous proposeront en fait des listes du genre quoi Le prêtre blessure récemment qu'on a vu. Attendez il est où ce con je l'ai enlevé ouais non il est là euh, beaucoup ont proposé aussi ce genre de liste je vous le déconseille pourquoi parce que oui c'est une bonne liste mais le problème c'est que c'est euh, en fait ça dépend trop en fait de perruque serpentine si vous voulez ce genre de liste donc euh, je vous le déconseille en fait parce que ça ça peut se faire counter facilement par euh, ces quatre listes là tout simplement donc voilà donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur mon top 4 deck pour monter légende en mois de juin. J'ai pas fait de gameplay avec, pourquoi Parce que j'ai déjà fait du gameplay, je mettrai aussi le lien des vidéos dans la description si vous voulez aller voir du gameplay, il y a pas de souci en soi. Vous irez voir ça vite fait, euh, je vous mettrai les liens, euh, les codes des decks ainsi que la vidéo ci-dessous du code deck pour que vous puissiez aller voir le gameplay avec, il y a pas de souci donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais pas plein, plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout et à la prochaine, bon jeu à tous